Salut à vous mes très 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 bons amis. Alors aujourd'hui, vidéo sur une technique étonnamment peu connue, mais selon moi qui est cruciale pour ne pas se blesser le dos, surtout ce qui va être soulevé de terre, squat et exo lourd en général. Donc on parle de protéger le dos au squat, au soulevé de terre. La plupart des tutos, la plupart des youtubeurs, la plupart des coachs, ils vous parlent de placement technique. Avoir le dos droit, être bien placé par rapport à la barre, peindre les jambes pour réduire le levier, etc. Mais très rarement, on entend parler de ça, alors que c'est le plus important. Ou alors, il va y avoir d'autres gens qui vont juste vous dire que se blesser sur ce type d'exo, squat, soulevé terre, c'est plus ou moins une fatalité, une question de temps ou une question de chance. Donc en gros, c'est la génétique. Si vous ne vous blessez pas, c'est que vous avez une bonne génétique. Si vous vous blessez, c'est que vous n'étiez pas fait pour ça. Ou alors, c'est une fatalité en mode, si vous soulevez lourd pendant longtemps et que vous commencez à mettre vraiment très lourd, forcément, vous allez vous blesser le dos. Et ces deux manières de penser, c'est de la merde et c'est de la connerie à 100%. De même, cette histoire de placement technique idéal, ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous empêchera pas de vous blesser, d'avoir le dos droit, d'avoir une technique parfaite, d'avoir un positionnement parfait au squat et au soulevé de terre. Ce qui va vous sauver, c'est cette technique. Donc cette technique, ça s'appelle la manœuvre de Valsalva, à ne pas confondre avec la manœuvre du même nom qui est utilisée en plongée. Donc là qui va se jouer, si je dis pas de conneries, au niveau de la pression de l'oreille externe. Donc là je sais pas si c'est les scientifiques qui ont été un peu cons et qui ont donné le même nom à deux manœuvres. Mais voilà, ça a le même nom, mais c'est pas la même chose. Donc il y a la manœuvre de Valsalva de plongée et la manœuvre de Valsalva de musculation. Donc comme je disais, c'est assez grave, parce que quand on tape justement manœuvre de Valsalva, musculation, force, mal de dos, en France, on n'a aucun contenu ou quasiment rien. Je crois que j'ai vu une chaîne de CrossFit qui en parlait, genre Power Camp, si je dis pas de conneries. Et il y a également le doc qui en parle dans une de ses vidéos, mais il parle un peu plus justement de l'aspect santé, etc. Mais sinon, que dalle. J'ai regardé pas mal de tutos squat et soulevé de terre, et jamais il parle de ça, alors que c'est le point. S'il n'y avait qu'un point à apprendre, pour moi, ce serait ça. Donc assez inquiétant. Après, il ne faut pas s'étonner justement qu'il y ait autant de gens qui se fassent mal au dos et que même beaucoup de ces coachs se fassent mal sur ces exos-là ou restent sur des poids relativement éclatés pour leur catégorie de poids. Donc avant d'expliquer un peu plus en détail cette manœuvre, je vais d'abord vous faire une petite démonstration avec ces magnifiques canettes de Red Bull pour vous expliquer le problème du positionnement technique. Donc là, il y a une canette vide et une canette pleine. Et donc on va imaginer que ces canettes, ce sont des personnes comme vous et moi, et que du coup ça représenterait grosso modo un tronc, et donc que ça serait deux personnes qui ont une position parfaite. Donc ces personnes ont le dos parfaitement droit, et donc si je prends une charge et que je la mets dessus, voici le résultat avec une canette vide, et à l'inverse avec une canette pleine, normalement je peux même plus appuyer que sur la canette vide, et ça ne bronche pas. Et donc, là, normalement, vous allez me dire... Bah oui, c'est logique. Dans la canette pleine, y a plus de résistance, etc. Et bah oui, c'est logique. C'est mon propos. En gros, là, ça simule deux placements techniques parfaits. Mais la canette vide, ça représenterait justement quelqu'un qui ne fait pas de manœuvre de Valsalva et qui, du coup, n'a pas une bonne pression intra-abdominale. A l'inverse, la canette pleine, ce serait tout simplement quelqu'un qui a le même positionnement, la même position du buste, du dos, mais qui, lui, aurait une bonne manœuvre de Valsalva. Donc, comme vous l'aurez deviné, le but de cette manœuvre, ça va être d'augmenter la pression intra-abdominale, donc de remplir la canette, grosso modo. Donc, comment on va faire pour augmenter la pression intra-abdominale? Vu que nous ne sommes pas une canette, on ne peut pas se remplir de liquide ou de Red Bull. Enfin, certains le peuvent, mais ce n'est pas ce que nous allons faire nous allons nous remplir d'air en quelque sorte. Donc pour bien exécuter la manœuvre, vous allez tout simplement imaginer que votre ventre est un ballon qui se gonfle. Donc vous allez prendre une grande inspiration au niveau du ventre, donc pas au niveau de la poitrine, mais au niveau du ventre, vraiment comme un ballon. Et il faut vraiment que ce soit une grosse inspiration. Donc c'est presque une manière de respirer qui est un peu inconfortable. Vous allez vraiment essayer de vous gonfler un maximum. Donc et une fois que c'est fait, vous allez bloquer votre respiration et en même temps, vous allez essayer de resserrer le ballon. Donc vous allez, en gardant tout cet air-là, rentrer le ventre comme si on vous mettait un corset ou comme, imaginez que quelqu'un veuille vous donner un coup de poing dans le ventre. Et vous allez maintenir ça. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est tout simplement, vous allez grosso modo remplir la canette, remplir le ballon. Et après, si vous prenez un ballon que vous le gonflez, vous allez augmenter la pression d'air dans ce ballon. Mais si vous attrapez ce ballon et que vous le serrez, que vous le resserrez encore plus, vous allez encore plus augmenter cette pression à l'intérieur du ballon. Sauf que le ballon, si vous appuyez trop, il va exploser, mais
vous, ce n'est pas votre cas, donc vous pouvez y aller. Et donc, tout simplement, c'est que ça va faire vraiment quelque chose de rempli et de compressé, de solide. Donc, inspiration. Blocage. Hop. Et maintien. Si vous le faites bien, vous allez vous sentir justement très rigide. Vous n'allez pas vous sentir mobile. Normalement, vous allez vous sentir comme un bloc. Et forcément, ça va un peu augmenter la tension globale, la pression. Donc, vous allez un petit peu vous sentir sous pression. Donc, au niveau de la tête, à tous les niveaux. D'où l'importance de s'entraîner un petit peu, d'y aller doucement au début et de la doser. C'est-à-dire que si vous faites du squat à 200 kg ou une série d'échos à 100 kg, vous n'allez pas faire la même manœuvre. Vous n'allez pas faire des manœuvres à fond pour un effort léger où vous vous sentez relativement en confiance. Vous allez réserver les grosses manœuvres pour les efforts à risque et très intense, qui vous demanderont vraiment énormément de stabilité. Et donc, le fait de faire cette manœuvre, tout simplement, en augmentant cette pression intra-abdominale, ça va justement tout rigidifier, ça va empêcher le mouvement de certaines structures. Tout simplement, cette pression intra-abdominale va empêcher justement qu'il y ait, par exemple, du mouvement au niveau des vertèbres, des disques vertébraux, des organes, etc. Donc ça va vraiment, tout simplement, remplir la canette et rigidifier énormément le tronc et donc protéger le dos. Donc pour une démonstration un petit peu plus complète, imaginons que là je vais faire un soulevé de terre, je me mets en position, je mets la position qu'il faut, et avant de soulever la barre, je fais ma manœuvre. Je fais ma rep, mais je reste sous tension. Je garde ma manœuvre, et là, en gardant ma manœuvre, je vais tout simplement reposer la barre. Et là, j'expire et je relâche tout. Puis, avant de partir, je peux reprendre un petit peu ma respiration, puis refaire ma manœuvre. Et après, parfois, on peut également expirer, par exemple, en haut du soulevé de terre quand on est debout ou en fin de squat, puis repartir sur une manœuvre depuis le haut du mouvement. Mais généralement, on garde quand même un petit peu de tension. On ne relâche pas complètement alors qu'on a 200, 300 kg dans les mains ou sur les épaules. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter entre ces répétitions à bien prendre le temps de refaire son setup avant de repartir. Le squat et le soulevé de terre, ce n'est pas des exos où il faut s'amuser à enchaîner, à rebondir sur le sol, parce que là, pareil, vous allez vous blesser. Donc, maintenant que vous savez ce qu'est la manœuvre de Valsalva, si vous vous amusez à regarder des compétitions de strongman, du powerlifting, etc., des gens qui font du squat, du soulevé de terre à haut niveau, vous verrez qu'ils font tous plus ou moins cette technique. Donc, vous verrez tout le temps que quand ils font leurs exos, leurs lifts, ils sont sous tension. Souvent, ils sont vraiment tout rouges, en apnée. Parce que tout simplement, ils font cette technique-là. Quand vous soulevez des charges énormes risquées pour le dos, vous vous amusez pas à expirer pendant le mouvement ou à être complètement relâché. Ça, c'est du suicide. Donc, au début de la vidéo, je disais que cette technique, c'était clairement le point clé le plus important à maîtriser quand on fait du squat ou du soulevé de terre. Et c'est vraiment pas une exagération, selon moi. Honnêtement, je préfère soulever 250 kg d'eau complètement rond en banane avec la manœuvre que soulever 150 kg, technique parfaite, mais sans pression intra-abdominale. Et d'ailleurs, les gens qui me suivent sur Insta m'ont déjà vu faire plein de soulevés, du Zercher deadlift, du Zercher squat, du behind the back deadlift, d'eau complètement enroulée avec plus de 280 kg pour le behind the back, et je n'ai aucune douleur au dos et je me sens vraiment extrêmement en sécurité. Alors qu'à l'époque où je ne connaissais pas cette manœuvre, où je ne la faisais pas et où je faisais en fait ce que la plupart des tutos disent, donc juste avoir le dos droit, ça m'arrivait d'avoir mal au dos avec 70, 80, 90 kg. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. Pour moi, c'est vraiment un point indispensable quand on soulève des choses lourdes pour ne pas se faire mal. Donc clairement, point technique à maîtriser parfaitement avant de commencer à charger lourd. En éducatif, si vous voulez vous entraîner un petit peu à ressentir cette manœuvre, il y a un exo que j'aime bien. Donc vous allez prendre par exemple un poids de 1 kg, de 2 kg, ça peut être une bouteille d'eau, un pack d'eau, bref, un poids relativement léger, où vous allez vous allonger, vous pouvez le faire au sol, sur un banc, peu importe, et où vous allez poser le poids au niveau du ventre et vous allez le faire monter vers le plafond en inspirant une grande bouffée d'air. Et une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement contracter vers l'intérieur, tenir, relâcher, puis recommencer. Et vous pouvez également, si vous voulez, quand vous êtes en haut et que vous tenez la manœuvre, appuyer un petit peu avec les mains pour ajouter de la pression. Essayez de bien ressentir cette rigidité, cette pression intra-abdominale, et bien vous sentir solide. Et après, évidemment, vous pouvez vous entraîner et avec le temps mettre un petit peu plus lourd si vous voulez. Mais ça, ça reste juste un exo éducatif pour bien comprendre la sensation. Alors après, côté risque
et santé, parce que je sais que parfois ça fait débat côté cardiaque, côté cerveau, côté tension sanguine, etc. Est-ce que la manœuvre de Valsalva est dangereuse? Ça, encore une fois, moi je suis pas médecin, ben, le doc a fait une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais de tête, il me semble que ce qu'il avait dit, et c'est plus ou moins ce que je pense aussi, c'est que si vous n'avez pas de conditions particulières, si vous n'avez pas de soucis de santé déjà préexistants, et que vous l'utilisez de manière normale, il n'y a pas vraiment, enfin il y a assez peu de risques. Après, évidemment, si vous avez de la tension, que vous êtes cardiaque, que vous avez fait 6 infarctus et que vous avez 90 balais, il ne faut peut-être pas vous amuser à faire 50 manœuvres de Valsalva tous les jours à fond. Mais pour quelqu'un en bonne santé, qui l'utilise que pour des efforts lourds, et surtout qui, comme j'ai dit plus tôt, la dose selon l'effort, c'est-à-dire que ben après, avec l'expérience, vous apprenez à doser votre manœuvre de Valsalva et vous n'en faites pas une max à chaque fois que vous faites un soulevé de terre. C'est-à-dire que moi, si j'ai un max à 215 kg, à 130 kg, j'aurai une toute petite manœuvre très légère avec laquelle je pourrais parler tranquillement en même temps. À 170 kg, un petit peu plus forte, 190 kg, assez forte, et 215 kg, manœuvre maximale. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas spécialement dangereux, du moins pas plus que beaucoup d'autres choses qu'on fait très régulièrement, si c'est utilisé normalement, en s'écoutant et en étant en bonne santé. Après, côté erreur, ou du moins pas forcément erreur, mais on va dire que tout le monde n'est pas d'accord sur certains points techniques de la manœuvre de Valsalva. Là, moi, je vous ai montré comment moi je la fais. Pour avoir testé les autres techniques, je trouve que celle-ci, c'est celle qui me met le plus en sécurité, celle avec laquelle je me sens le plus rigide. Donc, il va y avoir des gens qui vont dire que quand on fait la manœuvre, qu'on inspire, il faut pousser vers l'extérieur. Et notamment, beaucoup de gens qui vont conseiller de faire ça avec une ceinture, donc avec une ceinture de musculation. Mais ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Pousser vers l'extérieur, ça ne va pas justement augmenter la pression vers l'intérieur. Et après, on verra également des gens qui feront la manœuvre avec la poitrine, comme ceci. Et là, pareil, quand on fait ça, personnellement, je ne ressens pas très peu de rigidité. Donc pour moi, vraiment, c'est au niveau du ventre. Vous pouvez inspirer avec la poitrine aussi, mais c'est secondaire. Il faut vraiment vous gonfler un maximum. Puis après, on resserre, on contracte vers l'intérieur. Une autre erreur courante, ça va être les gens qui vont juste contracter les abdos. Et ça, on le verra très souvent dans beaucoup de tutoriels squat et soulevé de terre. Il y aura des coachs douteux qui vont dire contracter les abdos. Contracter les abdos, ça ne change rien à la pression à l'intérieur du ventre. Donc ça, pareil, inutile. Si vous contractez les abdos, c'est une conséquence de toute la tension globale. Par contre, juste contracter les abdos, ça ne vous protégera pas. Et enfin, il y aura également débat sur quand est-ce qu'on expire. Donc il y aura des gens, ce sera quand on est sur la remontée, donc on garde la manœuvre et qu'en fait on souffle, comme si on soufflait à travers une paille. Donc... Et il y a d'autres gens qui vont préférer expirer quand on a fini la répétition et quand on justement relâche la manœuvre, ou du moins en gros quand on a passé le cap dur ou dangereux. Là, selon moi, les deux écoles se valent. Moi, je préfère rester en apnée plus ou moins tout le long, ou du moins relâcher dans le dernier tiers haut d'un mouvement. Mais là, selon moi, vous pouvez faire les deux. Ce qui est important, c'est juste de se sentir rigide, d'avoir une bonne pression intra-abdominale, parce que c'est ça qui va vous protéger. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait sur la manœuvre de Valsalva. Donc pour récapituler, pas très compliqué, grosse inspiration, on gonfle bien, on resserre, on fait le corset comme si on allait se prendre un coup de poing dans le bide, et on bloque, on fait sa répétition, on relâche, on récupère un peu si besoin, puis on refait, etc. Et en faisant ça, vous serez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus safe côté blessure au dos. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses à rajouter qui diminueront les risques, donc la position, un travail du gainage adapté, un bon équilibre articulaire, musculaire, etc. Mais s'il fallait choisir qu'un seul point, selon moi, très loin devant les autres, ce serait cette technique-là. Donc voilà, comme d'habitude, si c'était pas clair, si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou à laisser un commentaire, et je vous dis à plus.